Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Donc j'ai utilisé l'amiibo Peach Mariage, qui normalement devrait voilà, nous permettre d'obtenir une nouvelle tenue. Tu veux l'essayer maintenant? Mais oui! Donc là j'ai mis la Peach. Hein. Peach mariée. Ça te fait un merveille, gamin. Stop. Tu peux plus. Mario, t'es la plus belle. Oh my god. Mario, ça te va si bien. Bon bah écoutez, du coup, comment on sort de là? Moi, je veux juste revenir dans le monde du sable, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Alors, je vois qu'il y a un placard, très bien. Il y a un miroir aussi. Je ne sais pas quoi il sert. Bon, très bien. Tiens, du moins 7 ans, mais voilà. Il y a des travestis, c'est pour ça. Allez hop, on bouge. Alors du coup, par erreur, j'ai débloqué le prochain monde. Juste parce que j'ai activé le vaisseau. J'avais assez de lune, mais du coup, ouais, on reste sur le pays des sables pour l'instant. Mon dieu. Mario transgenre. Ah mais je trouve ça rigolo. Hein. Du coup, on laisse l'animation. C'est toujours le swag. Bon, on va peut-être quand même passer, on va pas y passer la nuit. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, on voit pas sous sa robe. Oh. Non, c'est circulaire, on sait, c'est deux coups de Joy-Con. Allez hop, on retourne dans le monde du sable. La prochaine fois, j'essaierai le... peut-être le... Ah. Le Mario marié, voir ce que ça donne. Sachant que j'ai encore la tenue de du maillot de bain là, que j'ai pas encore vraiment testé. Voilà, faut qu'on aille dans cette zone, on n'y est pas encore allé. Et lui, on l'a toujours pas rencontré. Mais du coup, techniquement, c'est absolument pas nécessaire. Hein. Vous voyez, j'ai déjà accès au monde d'après. À partir du moment où tu as assez d'étoiles. Enfin, de lune, à chaque fois je dis étoile, hein. C'est un vieux réflexe. Du coup, on va se téléporter ici, ça doit être le plus proche. Ça explique pourquoi il a pas conclu avec Peach. Ah bah écoute, chacun ses déviances. Hein. Oh my god. Crédibilité à son maximum. Même de ce côté. On va pas sauter dans le vide comme tout à l'heure. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. Enfin comme tout à l'heure. Ah ça casse tout, d'accord. Ah. Alors du coup il doit y avoir un truc dans la plateforme juste derrière nous là. Après, je sais pas si ça nous fait des dégâts. Ah d'accord. Non, s'il fallait vraiment... Ah, ok, j'ai rien dit. Hop. Ah oui, d'accord, ça fait des réactions en chaîne. Ah oui, mais des réactions en chaîne, de réactions en chaîne qui sont en chaîne. Ça fait beaucoup trop. Donc j'essaye de regarder le décor. JPP. Ok. Du coup on arrive dans la fameuse zone. Allez hop. Ça descend. Oh pauvre Mario. Frigorifié. Émoginé sur Discord. What the fuck. Allez hop. Point de contrôle. Non mais du coup c'est sympa, c'est très bizarre ce mélange marié en blanc plus Mario plus le désert. C'est très particulier. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un fragment, d'accord. Et tu me veux quoi toi? Ah d'accord. Et pourquoi il y a des oiseaux là? Ah mais ça me sert à quoi de mettre ça, je peux pas sauter. Non, fuck man. D'accord, c'est un peu bizarre. Mais comment je fais pour monter Parce que si je fais ça, ah, ça reste quand même là, d'accord. Alors j'ai pas compris comment je suis censé monter. On voit encore ses empreintes. Un pay. Salut Link.
façon, techniquement, oui, on peut y aller direct, hein, y a pas besoin d'être en mode pierre. Hop, 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 hop. Par contre, je sais pas, voici, y a moyen d'accéder à autre chose. Wouhou! La plus belle des Mario! Bah, je crois que les Wheelie et les lunettes sont spécifiques aux monstres, hein, je ne sais pas. On va se balader avec, hein. On en profite. Hein. De toute façon, tous les fragments doivent être là. Alors, je sais pas s'il y a autre chose de... Ah si, il y a des plateformes là-haut. Bah, il y a des plateformes partout, en fait. Il y a rien de... Il y a rien d'exceptionnel, finalement. Allez hop, Mario, c'est parti. Mais ce monstre, ouais, il est pas mal mis en avant, même je crois au niveau des avatars Switch. Oh putain, je sais plus. Il y en avait partout ou pas, je sais plus. Les avatars Switch, vous pouvez le mettre. Parce que c'est un monstre un peu cool. Allez hop. Donc il me manque un fragment. Ah, regardez là-bas. Faudra bien explorer les recoins, hein. Il y a des trucs. Hein. Une espèce de plateforme là-bas. Il doit y avoir une lune cachée. Alors il doit me rester un fragment, mais j'ai pas vu où. Hmm. C'est pour rejoindre le pont de l'autre côté qui est gelé pour l'instant. Appuie pas sur la flèche du haut. Qu'est-ce que ça fait? Le sirop d'érable. La flèche du haut. Bah je le fais, il se passe rien. Power Lulu, what? Woot, woot, quel caca. Mais qu'est-ce que... Bah c'est pour faire des photos. Power, qu'est-ce que tu racontes? Ou du bas, je sais plus. Le bas c'est pour faire des photos. Mais tu voulais quoi en fait? J'ai pas compris. Une des flèches. Mais pour faire quoi? Ah. Faire une photo de qualité, ça fera la miniature. Grosse photo. Ah, mais oui, regardez ça. Ça peut même m'aider à faire des miniatures, JPP. Ah, pivoter. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime bien, c'est rigolo. Zoomer. Ah, je trouve ça sympa. Mais Rally. C'est ça que tu voulais montrer, Poro? Eh bah punaise! C'est ça ou pas? Bonsoir, virus. Derrière toi, à côté du pont. Mais c'est peut-être pas la même. Ah, mais du coup, même moi, ça va m'aider à faire des miniatures, c'est lol. Ah, parce que ça, c'est pour activer le pont, j'imagine, mais c'est pas ce que je cherche, là, tout de suite. Non, même pas, faut vraiment que je débloque le dernier fragment. Alors, pourquoi il y a des piafs ici? Qui veulent les piafs là. D'accord. Aïe! Hop. Je commence à douter. Ah bah, en même temps, un pitch. C'est la meuf la moins safe du monde. Hein. Ah, du coup, oui, on se concentre un peu sur le jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait zappé là? Il y a bien une lune là-haut, mais c'est pas ce qu'on cherche là tout de suite. Il y a 69 lunes, je crois. On va retourner voir la dernière plateforme, on n'y est pas allé. Fiasco. Ouais, ouais, ouais. Peach, c'est une peach. Alors, du coup, il y a quoi ici? Juste des pièces? Ça ne m'indique pas où se situe le dernier fragment. L'avez-vous vu? Yep. J'ai dû zapper un truc. Ah, pff, oh là là. Best cachette ever. Alors, du coup, on va pouvoir avancer un peu.
T'as mis la crédibilité dans cette tenue. C'est divin. Hihi. Faut gagner une lune. Alors. Bah Hugo, je crois que tu parlais de l'autre au loin en fait. Du coup on a accès à la pyramide. Je bien. Non parce que par texte hein, c'est compliqué des fois de comprendre. Eh bien écoutez, on va pouvoir tester la pyramide inversée et on aura peut-être même un petit boss. Je ne sais pas. Nous allons traverser. Traverser j'ai dit. Non, j'ai pas fait gaffe. Ça reparle des quenouilles, qu'est-ce que... Alors je fais pas le calcul, ouais, je sais pas combien on a perdu. Donc on va se concentrer quand même. C'était un petit plongeon pour le lol. Oui. Là-haut, ouais ouais ouais. Là-bas il y a, c'est quoi? Un taux d'énervé? Non pas du tout. C'est encore un mexicain. Almericano. On va y aller. Alors il y a peut-être quelque chose derrière, mais bon je revisiterai davantage plus tard. Ouais ouais ouais. Il se passe quelque chose sur la pyramide inversée? Par rapport à la bague d'union, oui, 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 nous y allons. Go dire le panneau. Est-ce que paye Mario? Fais un effort. Rouler. Ouais, ouais, ouais. C'est trop chelou comme mouvement, hein, JPP. Bon, on avait déjà capté ce mouvement. Encore une lune. Ah mais on rejoint, ah, d'accord, on a rejoint ce côté là. Ah mais regardez ce côté de la pyramide. Ouais, il faudra qu'on explore davantage de toute façon. Ça c'était là tout à l'heure ça? Ah oui d'accord, c'est du déjà vu. D'accord. Allez hop. Même après, ouais, je pense que la sexualité, les développeurs n'ont pas de réponse officielle. Parce que ça parle de lesbiennes et compagnie. Mon Dieu. Ah, Toadette, mais non. C'est pas une humaine, ouais, c'est un champignon. Mode d'emploi, ouais, qu'est-ce qu'il dit, j'ai pas suivi. Au revoir. C'est la deuxième fois en une heure que vous montrez le mode d'emploi. Au revoir, monsieur, merci. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. Des entourtes roses ont rentré là-dedans, probablement pour voir notre fameuse bague d'union, ou surtout la piquer et se barrer avec. Allez hop. Intérieur de la pyramide inversée, Zabardi. Zabardi mon kiki. Je crois qu'on va devoir passer sous cette forme. Let's go! Bon, y a moyen de choper plus de pièces. Mais on n'est pas là pour ça. Parce que bon, si tu veux choper 2 pièces de plus, mais que t'en perds 10 en mourant comme un caca. Attends, annule, reviens. Oh putain! Ils ont même fait la version. La version 2D de la mariée, c'est trop bien. Je trouve ça tellement... C'est pas grand chose pourtant, mais voilà, c'est... C'est justement tout un tas de petites choses qui font que... J'ai pas fait tous les amiibo, non, je les ai pas tous. Hein. J'ai pas testé les Link non plus, je sais pas si ça donne une tenue spéciale. Alors, du coup, il y a une inversion de... Ouais. Oh lolo, turbo. Ah. Au revoir. Je sais pas combien il y a de pièces là-dedans. Ah bah il y en a plus. Très bien. Allez hop.
Pauline et Brune, mais oui, mais Pauline c'est la princesse de base, on est d'accord. Ah mais stop, on met la tête à l'envers, JPP. Alors on va les contourner, c'est pas grave. Économisons nos HP. Oula, oulolo. Stop popé, c'est bizarre. Ça me perturbe. Ah, ils ont pas gardé Pauline parce qu'elle est sexy et femme. Aurélie ? Mince, je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur bas par réflexe. Mais après ils l'ont bien remis dans un jeu, je crois. Je sais plus. Ok. Ok, ok. On va jeter un coup d'œil, de toute façon je crois qu'on n'a pas le choix, sauf que je sais pas où je vais. Oh my gosh. Ah bah attendez. Bim badaboum. Ah au secours. Il veut trouver la princesse. RT. Grosse princesse. Que venir péter ici? Link trouve des lunes. Bah comme tous les amiibo, ouais mais du coup y a pas de tenue. Parce que c'est à la limite ça qui m'intéresse le plus en fait. Avoir vraiment des tenues inédites. Ouais, Seeker. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais pas. Ben, on va continuer par là-bas. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas. Caméra! Caméra qui suit pas. Allez, hop. En tout cas, si je percute quelque chose, bah, je tombe dans le vide, en théorie. Enfin, sur la route, je l'entends. Et je tourne dans le vide, vide. Wouhou. Salut Isabella. Des fois, voilà, j'essaie de faire le truc. Ça marche pas. Ou alors c'est parce que c'est le mode auto-guidé. Ouais, c'est pour ça, parce qu'il y avait le mode auto-guidé en fait, sur les plantes. Très bien. Birdo est bien un garçon. Ah, c'est officiel, t'es sûr? Parce que je crois que justement ils étaient restés un peu flous là-dessus. Au mode, on sait pas trop. Il crache des œufs, mais... Oh my god. Ah, les affreux Jojo. Vous cherchez la bague du Nion? Les minus. Fallait se lever plus tôt. Le boss est déjà passé. Et ça sert à rien de s'obstiner. Vous êtes toujours pas invité au mariage. Jolie couette. Faut lui balancer, je sais pas. Oh my god. Il y a de l'avant-fusion dans ce qu'elle nous balance. Non, c'est des bombes. Très bien. Oula. Oulala. Et oh. Qu'est-ce que... Quoi? Ah d'accord, je me suis auto-frappé. Secoue volante. Qu'est-ce que... Stop, mettre de la lave partout, je sais pas. Ça lui fait rien si on la touche. Ouais, mais comment tu veux placer ça correctement? T'as pas le temps, wesh. Ok. Tiens. Voilà, 3 points de vie. Mince. Trop tard. Aïe, caramba. Il a chaud aux fesses comme à l'ancienne. Il a ripé, il y a la lave partout. Oh my god. D'accord, je voulais essayer de l'intercepter, ça marche pas du tout. Très bien. Même si je fais ça. Ah d'accord, ça l'envoie en mode random. Heureusement que j'avais 3 coeurs de plus, sinon je serais mort. Mon dieu. Trop lent. J'y
petit pépin. Bonjour. Ah. Il faut vraiment que je reste plus à l'extérieur. Voilà, j'ai pas géré du tout, mais c'est pas grave. Comme quoi, le jeu est pas compliqué. Oh, ça fait un peu des effets à la Mario Galaxy, justement, là. Faut prouver que c'est une fille. Un objet mystérieux caché sous son coussin et il vibre. What the fuck? Par rapport à Birdo? C'est juste qu'il vibre. Ouais. On se demande ce que c'est. Wouhou! Yes, we did it! Un trou dans le désert. Ce jeu n'arrête jamais. On va aller voir le trou. Même si l'épisode commence à être un peu long peut-être, on va quand même y aller vite fait. Allez hop. Après je vais voir si ça s'annonce comme une très grande zone. Je m'arrêterai là. Mais je vais aller voir ce qu'il y a dans le trou. Surtout qu'il fait encore froid quoi, c'est ça. Je sais pas si on peut stepper plus proche. Déjà voilà, on a ça à ramasser. Ah mais du coup voilà, on a débloqué notre ami là. Ça je l'ai fait du coup entre les deux épisodes. On va voir ce que ça donne. B pour freiner, ZL pour descendre, d'accord. Ça décoiffe. What the fuck. Il les mange, ouais, d'accord. Mais genre, il peut traverser. Y'a. Yeah. Le mec patine du pépé. Go. Ça commence à patiner de ouf. Ah, attendez, parce que là-dedans, il doit y avoir un truc. Là. Ce qu'on va faire, on va prendre de la distance. Va se réaligner. Oh putain! J'avais pas vu ça! Nice. Je voulais mettre dans l'angle en fait pour passer dans l'espèce de d'arche là qu'on vient de voir. Écoutez, on a rien vu, on y retourne, on a juste perdu quelques pièces, c'est pas très grave. On les récupère tellement vite hein, dans ce jeu de toute façon. Alors, rien que là, ça en fait déjà quelques nouvelles. Ouais, le gameplay est particulier. Ah, mais du coup, 30 une seule fois, d'accord, tu repayes pas. Okay. Combien? Moi j'ai dû le payer 60€ avec la casquette. Un peu me défoncer le panneau. Moi ce que je voulais essayer de choper. Ah, mais là, gérer la caméra plus le déplacement. Voilà, c'est ça. Oh punaise, il va falloir. Oh là là. Gérer avec lui là. Ça va être compliqué, je crois. En effet, il patine trop pour moi. Surtout qu'au bout d'un moment, il repart tout seul, en fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait comme des espèces de notes de musique, là. On va quand même essayer de choper tout ça. Ouais, mais putain. De se calmer mon cher. Le mec il a des verres aux fesses, je sais pas. J'ai tellement peur de retomber dans le vide. Ah mais attendez, faut que je le chope, hein. Je vise quand même toutes les pièces spéciales du monde. Donc, Ah mais ouais, mais le gameplay, man. Hein. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors ça, qu'est-ce que ça débloque? Bah d'accord.
Du coup, ouais, ça m'a coupé dans la course, je savais plus dans quelle direction j'étais. JPP. Hein. Bon, de toute façon, voilà, les pièces violettes ont été ramassées. Après, voilà, ils nous redonnent tellement de pièces qu'au final, mourir, c'est pas pénalisant du tout. Je récupère les pièces quasiment instant, voilà, dans... D'accord. JPP. Est-ce qu'on perd quoi? On perd 10? Ouais, on perd 10. Bon, ça va. Voilà, j'ai récupéré 9. Ah, mais le gameplay, à mon avis, on s'en rend pas compte tant qu'on n'y a pas joué, mais c'est très chelou. Mais regardez, il part tout seul. What the fuck? J'en peux plus. Hein. Ouais, bonne chance, bah ouais, parce que là, j'y arrive pas. Oh my god, allez, go, 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 go. Le mec patine beaucoup trop. Allez hop, on va essayer de choper. On repart pas direct. Hein. Voilà, merci. Ouais. Non, les pièces sont uniques en fait. Là, je peux en avoir que 100. J'en ai dépensé une partie. Attends. Qu'est-ce que... Mais oui, mais du coup, putain, voilà. Là, je me suis déconcentré, là, j'ai fait n'importe quoi. Forcément. En fait, en gris, quand tu les ramasses à nouveau, tu obtiens à nouveau des pièces, mais des pièces classiques. Du coup, la lune est perdue, faut que je réactive les notes de musique ou... Ouais, mais c'est ça en plus. Oh, punaise. Trop délicate. Alors du coup on va descendre, parce qu'on peut pas sauter, j'ai essayé de sauter en fait, mais je sais pas, il lève les pattes, en mode... Voilà, merci, cette fois tu le chopes. Merci bien. Tu fais quoi aujourd'hui? Bah j'y joue, je débloque des lunes. À ce rythme là, on aura de quoi finir le jeu avant d'atteindre le quatrième monde. On va aller voir en haut. Ok. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des pièces violettes là sur la partie qu'on a zappée en passant par là. Et j'ai envie de dire, est-ce bien dommage? Je ne crois pas. Il y avait des pièces classiques en effet, mais je crois pas qu'il y avait de pièces violettes. Hein. Écoutez. Bon voilà, il y a quand même moyen de choper plusieurs lunes. Allez hop. Après les pièces volées, voilà, là elles sont propres à ce monde-là, dans le monde d'avant c'est des espèces de donuts. Donc je pense que t'as juste de quoi pile poil acheter tous les items de la zone entre guillemets. Par contre celle-là je sais pas comment... Oh, d'accord. Mais je suis en train de regarder ailleurs là. Ah mais ils ont plusieurs HP en plus. Ah ils sont intuables, ok d'accord. Le jeu devient hardcore. JPP. Ah mais il est pas là mon copain. Mince. Bon, tant pis, on verra plus tard pour ce qu'il y a là-haut. Là. Un tableau. Oh my god. Qu'est-ce que... Ah, on verra ça la prochaine fois. Il y a trop de trucs. Hein. On va aller dans le trou, là. Elle ou la pyramide. J'ai vu le monde... Enfin, pour moi, je voyais New York. Hein. Je vais aller voir là. Parce que même là, l'épisode, il va durer je sais pas combien. Ah, mais c'est juste un monde bonus, entre guillemets. Très bien. Par contre, ça va déraper encore une fois. Au secours. Ah, des ondes de choc alors que tu patines. Oh là là. Ça va être hardcore, ça. Ah, très hardcore de gérer le saut plus le patinement. Je vais mourir comme un caca. JPP. Su. Quoi? Non mais des fois, Fiasco a les doigts qui collent, je crois, sur son clavier. On sait pas ce qu'il fait, mais... Il y a certaines touches qui ont du mal après. Ah, mais what? What the fuck, man?
Un super coup. T'appelles ça un super coup, toi? Ah non, super saut. Putain, le mec, c'est pas dire. Je sais pas. Mais ça sert à quoi de se transformer comme ça, là? Mais je suis un copain. I'm a friend. D'accord. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait en prendre le contrôle de la tour, là? C'était pas très clair. Oula, oulolo. Voilà, toi, tu décèdes. Hop. Oh, putain, mais du coup, je... Oh, putain. Il y a les mecs de Metal Gear Solid, hein, c'est parti. Ah oui, mais ce qui est, c'est que je peux même pas le jeter dans le vide, parce qu'en fait, c'est moi. Comment je quitte? Ah, merci. Une fois qu'on l'a étourdi, je sais pas si on peut genre lui mettre un coup de pied en lui courant dessus. Oh, attends, ça fait ça, mais ça sert à quoi, ça? I don't know. T'es fort par rapport à moi. I don't think so. Je suis juste fort par rapport à vous, après le reste. Alors, attendez, là-haut... Il y a quelque chose, mais on peut pas y aller avec... Je sais pas. Et du coup, maintenant, ça tape en boucle. Ah, d'accord. Bah oui, mais... D'accord, même en sautant... D'accord, bah, RIP, hein, what the fuck. Hein. Vous quittez, ah! Je sais plus comment on fait. Oh my god. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Du coup, là, en plus, c'est relou ce que j'ai lancé, là. Mon dieu. Là, déjà, il commence à mettre des trucs, j'ai pas tout compris. Hein. Comme là, je suis mort, j'ai pas compris. J'ai eu peur. Ouais, ouais, ouais. Là, dans ma tête, j'étais plus sur une plateforme qui glisse. Du coup, j'ai regardé le chat, j'ai zappé que ça continue tout seul. My god. Du coup, on va pas faire comme on vient de faire, là, tirer dans le truc qui tire à l'infini des deux anneaux. Hop, salut. Hop. Je la sentais venir à la chute. Ouais, ouais, ouais. Alors, attendez, là ou là, du coup? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ah non, il le shoot pas. Faut quand même sauter. Ouais, c'est bien la peine d'avoir un cœur maintenant. Mais ça, du coup, si je fais ça... Pourquoi j'arrive pas à choper le... Monte sur le deuxième pilier. Parce que... Mais genre, je peux faire... Genre, si je saute sur un autre, j'agrandis la colonne. Je ne sais pas. Et lui, il glisse pas, par contre. Hein. What the fuck. Ah oui, c'est ça. Très bien. Alors, du coup, il y a moyen, je pense, de se défaire pour atteindre là-haut. Je comprends mes phrases qui sont pas françaises. Mais je les comprends. Oh, il m'en manque un, vous êtes sérieux? Mais même, attends, je... Attends. Si. Je fais ça. Mais un coup de... Putain, il a pas mis le coup de... Merci. Ah, mais il en a dégommé un, maintenant. C'est pas très gentil. Ok. Oh, punaise. Ça devient hardcore. Yes, we did it. Ah, c'est ça. Ouzaluix, merci. Je sais pas comment on dit ton pseudo. Ouxa, on va t'appeler Louise. Hein, voilà. Louise. Bon, allez, on va essayer de choper les 4 pièces. Ah, mais ça continue après. Oh my. Après, ouais, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on dérape pas quand on est sous cette forme. C'est étrange. Alors qu'au contraire, là,
Ça devrait pas être stable du tout là. Hop, ça c'est fait. Par contre, je crois qu'on va devoir s'en débarrasser. Bah oui, parce qu'il faut mettre un coup de casquette dans la fleur pour qu'elle... Allez, salut les copains. Merci beaucoup. Ouais, ils essaient de m'agresser. Oula, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis censé pouvoir passer là? Prendre le contrôle du canon. Il a une casquette, c'est-à-dire qu'il est plus rapide que les autres. Ah non, ça veut dire qu'il a deux points de vie. Ok. Enfin, il a un premier couvre-chef, en gros. J'ai encore failli me suicider. Hein. À chaque fois, je panique pour me défaire. Allez, hop. Bim. On n'a rien raté d'important, je pense. Il y a de la monnaie là-haut, mais tant pis. Hein. Je sais pas s'il y a une lune. Éventuellement, je reviendrai. On va aller voir ce qu'il y a au fond. Tu aurais dû aller à droite. Ah. Ben là, je suis au fond du fond. Donc, RT. D'accord. Derrière les poteaux. Ah, pour où? Bah écoutez, voilà, derrière les poteaux au fond à droite, il y avait un truc apparemment. Moi, je vais aller voir ça tout de suite. Oh my god, ça sent le boss. Hein. Ah, c'est vrai que t'as 2 HP, putain. Go! Il y a une lune. Bah. Là, il y a un boss. Salut la fripouille. Mon anneau, où est-il? C'est pas moi, wesh. C'est toi qui me l'as pris. Ah, c'est pour ça que je suis encore là. Ah, il veut m'écraser. Oh, il s'est fait mal à la main. Ah, d'accord. Attends. Oui, oh, fulgure au point dans ton pif. Ou pas. Là, j'étais un peu coincé, du coup. Hein. Parce qu'il faut pas non plus que je me jette dans le vide, j'imagine. Donc laissez prendre le contrôle, je sais pas. Ah non, mais faut qu'il tape sur la glace, je pense. Allez, salut. Mais oui, mais... J'arrive pas à te cogner, t'es en bas des champs. Pourquoi il y a des trucs rouges, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un cœur. Utilité. What? J'ai réussi à le rater, mais what the fuck, merde. Ah, merci. Qu'est-ce que tu dis que ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, regardez, il fait la tête comme s'il avait été... frappé, c'est qu'elle le dire. D'accord, gros, c'est esquive. Bonjour. Oh là là, il change de pattern. Mais c'est que le jeu deviendrait compliqué. Joli. Alors ça, par contre, j'ai pas compris comment l'esquiver. Ah d'accord. En fait, c'est juste que j'étais pas bien placé du tout. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Après, regardez, son animation, elle est assez rigolote. Elle est un peu saccadée, c'est fait exprès, c'est plutôt stylé, je trouve. Mince, c'est... Je me déconcentre, JPP. Je voulais regarder le chat, mais c'est pas le moment, je crois. Ah, maintenant il alterne. Oh, le cacamou. Tiens. Tu lui fais un high five. Ouais, ouais, ouais. Bref, je sais pas si ça s'est vu l'aspect saccadé du boss. C'était plutôt sympa, je trouve. Bref, c'est fait.
Oui, Fiasco, c'est peut-être le boss le plus intéressant entre guillemets qu'on a vu jusqu'à présent. Bah, je pense que le jeu nous réserve quelques surprises quand même. Alors, quelle chaleur! Ah, très bien. Donc, techniquement, on a fait le principal ici. Ah oui, on a assez. Mais on verra ça la prochaine fois. Ah, je m'arrête là pour cet épisode. Ouais. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.